we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Octobre. Donc, comme d'habitude, je viens vous voir le matin avant d'aller travailler. Pour ouvrir le petit calendrier de l'Avent. Donc, aujourd'hui, on a à nouveau deux paquets à ouvrir. Vous donner un petit peu le programme de ce que vous verrez aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, j'ai prévu de dessourer les écheveaux que j'ai teints hier et avant-hier. Donc pour rappel, j'ai fait de la teinture au pétale de rose. Donc c'est un épisode qui sortira dimanche où je vous mettrai tous les détails, le rendu et tout ça. Donc je vais essorer ces écheveaux ce matin, les rincer et les mettre à sécher pour pouvoir vous les montrer et ensuite bien sûr les castonner et commencer à les tricoter. Je vous l'ai dit avant, on va ouvrir les calendriers de l'Avent. Je voulais aussi aujourd'hui vous partager un petit peu de mon processus créatif. Donc vous expliquer grosso modo comment j'invente ou comment j'imagine un modèle. Donc je vous ai filmé, il y a déjà quelques temps, une petite séquence vidéo où je prenais mon stylo et je dessinais très grossièrement les premières lignes du modèle qui va sortir prochainement, donc des chaussettes qui s'appelleront Rosea, d'où la teinture au pétale de rose. J'ai voulu un petit peu vous partager ce petit morceau de film donc, que je vous mettrai tout à l'heure dans l'interlude musical. Quoi d'autre? Eh ben, je vous partagerai un peu plus tard, donc après à ma pause de midi, je vous partagerai mon avancée sur le Mystérical. Bon, spoiler, je suis un petit peu en retard, mais je vais essayer de tricoter un petit peu avant de démarrer le boulot et puis ensuite à midi. Et puis j'aurais voulu réellement séparer les manches du corps de mon Lightwood Sweater que je n'ai pas fait hier. Hier, on a eu une livraison de végétaux et donc il a fallu prioriser. Donc, j'ai passé toute ma soirée à creuser des trous dans la terre. Pas très passionnant, donc je vous passe ces détails. Ce que j'ai aussi prévu aujourd'hui, c'est de bobiner un écheveau de laine de chez Lama de Laine que j'avais acheté à Laine à l'Est et pour lequel j'ai prévu un projet, mais ça, je vous en parlerai un tout petit peu plus tard. Donc, sans plus attendre, c'est l'heure de l'ouverture des petits paquets du calendrier. Alors, aujourd'hui, j'ouvre le 8 et le 9, toujours en retard sur le planning. Et, ça a l'air d'être du bleu. Oh, il est magnifique. Oh, j'adore. J'aime beaucoup ce genre-là. Alors, c'est bien parce que on retrouve quelques nuances de turquoise qu'il doit y avoir dans mes autres mini. Donc, il est possible qu'il y ait dans ce calendrier un dégradé, un fade. Donc, par contre, s'il y a un fade, j'ai déjà repéré un gilet avec des rayures sur lequel je voulais faire un fond neutre et des rayures en dégradé. Donc, je vais les garder bien précieusement et je verrai à la fin. Donc, l'une de vous m'a posé la question de qu'est-ce qu'on fait avec ces minis si on n'est pas une tricoteuse de chaussettes. Alors, il y a plein de possibilités. Hein. Donc, vous pouvez les intégrer dans un jacquard.
Alors, bien sûr, si vous êtes des tricoteuses de chaussettes, c'est facile, vous en faites des contrastants. Si vous n'êtes pas tricoteuse de chaussettes, donc vous pouvez les intégrer dans un jacquard. Vous pouvez les intégrer dans une couverture de reste, donc faire des petits carrés. Vous pouvez bien sûr en faire des granits aussi pour faire une couverture également ou un plaid. Il y en a qui font des couvertures avec à chaque fois un rang qu'ils crochettent. Donc ça, c'est pas mon cas. Vous avez aussi sur Ravelry tout un tas de modèles à deux couleurs ou trois couleurs ou quatre couleurs, notamment des châles sur lesquels vous avez juste quelques petites lignes par-ci par-là de couleurs. Et donc typiquement, c'est ce genre de petits mini qui peuvent vous permettre de faire voilà un ouvrage avec un petit pop de couleurs par-ci par-là. Donc ce que je fais aussi également, c'est quand j'ai un pull ou souvent c'est des gilets. Souvent quand j'ai un gilet uni, assez neutre, je rajoute un petit peu comme mon ding lidl, le dernier rang tout du long de l'encolure ou juste le petit rang de donc 2-3 rangs avant la fin des poignets en couleur contrastante juste pour faire un petit pop de couleur. Mais bon, voilà. Mais je vous donnerai d'autres idées au fur et à mesure et je pense que dans la troisième partie du mois d'octobre, les 10 derniers jours, comme j'aurai une meilleure visibilité sur ce qu'il y a dans ce calendrier, je vous donnerai plein d'idées pour utiliser ces petits mini. Alors l'une de vous m'a aussi dit qu'elle faisait son calendrier en étole Pythagore. Donc effectivement, l'étole Pythagore, c'est parfait pour ce genre de projet. Et si vous allez sur Ravelry et que vous tapez Advent, A-D-V-E-N-T, donc qui est avant, hein, la période de l'Avent, vous retrouvez plein de patrons qui utilisent les 24 mini de ce calendrier. Il y a d'ailleurs Tricot et Stitch qui a sorti un patron avec 24 rayures pour utiliser. Alors elle l'avait fait en fade l'année dernière, donc en dégradé, mais vous pouvez très bien le faire avec d'autres types de mini. Donc voilà le mini du 8 que j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Le mini du 9. Ah, quel est-il? Ouh là là, ça a l'air très joli aussi. Waouh, splendide. Ah, oh, je suis très contente des minis d'aujourd'hui. Alors, celui-ci est beaucoup plus gai. Alors, celui-ci, je sais déjà aussi ce que je vais faire avec. Donc, du rose, du fuchsia qu'on retrouve avec Bordeaux, que je retrouve aussi dans un des minis. Donc, il semblerait y avoir un thème une façon de les accorder ensemble. Ce petit vert un petit peu pomme avec des verts un petit peu plus relevés que j'ai également dans un autre mini. Donc, il est possible que je fasse des petits groupes entre eux. Et voilà. Que j'aime beaucoup, beaucoup celui-ci aussi. Donc voilà pour aujourd'hui. D'ailleurs, il y a des petits speckles de marron. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra. Mais, très très joli aujourd'hui. Autant hier, c'était un petit peu plus mitigé que... Alors aujourd'hui... Oh, moi qui aime le bleu, je crois que je suis encore plus fan de celui-ci. Il est absolument fabuleux celui-là. Magnifique. Donc voilà. Voilà pour aujourd'hui. Donc ils vont aller retrouver leur petit copain dans mon vase. Il est possible que je fasse déjà des essais de qui va avec qui, plouf, 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 toi t'es en groupe avec lui. Mais ça je verrai, je vous dirai. Donc voilà pour aujourd'hui et je vous retrouve tout à l'heure. Donc là maintenant je pense que je vais vous partager en vidéo la séquence où je dessine ce premier jet. Alors je suis pas une grande artiste en termes de dessin. Donc vous verrez que ma chaussette, elle a une forme un peu bizarre sur mon dessin. Mais c'est pas grave parce que ça doit être les gros traits. Et c'est là où, vous le verrez sur la vidéo, je trace d'abord les gros traits. Ensuite, je dessine les détails de ce que je veux et je prends des notes sur les côtés. Et donc généralement, c'est ça qui va donner le sens à mon design. En disant, sur cette partie-là, je veux mettre ça. Sur cette partie-là, je veux mettre un dessin. Ici, c'est ce type de forme que je veux pour le talon. C'est ce type de forme que je veux pour les côtes. Donc, et ça, c'est les notes qui vont donner la ligne directrice à mon design par la suite. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo. J'espère que ça vous plaira. C'est un petit peu l'envers du décor de la création de patron. Donc,
N'hésitez pas à me dire, comme d'habitude, hein, des gentils petits commentaires, comme j'adore. Donc, même si je réponds plus, j'en ai de trop. De temps en temps, je réponds quand vous avez des questions, mais sachez que je lis tout et que ça me fait énormément plaisir et que ça me motive à continuer à vous publier des vidéos. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Je viens vous voir pendant ma pause déjeuner. J'ai le cerveau en ébullition. Je vous préviens tout de suite. J'espère que la vidéo juste avant vous a plu sur la façon dont je dessine. Ce que vous avez vu, c'était le dessin final. C'est-à-dire, j'ai repris l'ensemble de mes notes sur tous les détails que j'avais dessinés petit à petit, à droite, à gauche, sur l'ensemble de mes idées, et je les ai mises ensemble sur un seul et même dessin. Mais sachez que, voilà, c'est pas aussi rapide ni facile que ça en a l'air sur la vidéo. Voilà, ça me prend un certain temps à imaginer le concept, puis les différents détails, puis les différentes petites choses qui vont autour, et puis après, à la fin, je fais un dessin complet de à quoi ressemblera ce design. La prochaine étape du design, mais vous le verrez dans d'autres vidéos que je dédierai à ça, c'est pour moi de retranscrire ce que j'ai dessiné en termes techniques et en quelque chose qui soit tricotable. Donc là, je sais d'office que cette partie est tricotable parce que je l'ai déjà réalisé en petits bouts, confectionné. Donc chaque détail va être tricoté l'un à part de l'autre. Et ensuite, je vais tricoter ce que j'appelle moi un prototype, ce que je pense que tout le monde appelle un prototype, c'est-à-dire que je vais mettre tous ces détails ensemble pour créer une première chaussette. Et c'est là, à ce moment-là, où je détricote, retricote, et je vais fignoler les petits détails. Mais ça, je vous le montrerai dans d'autres vidéos plus tard. Donc, je vous disais, j'ai le cerveau en ébullition parce que
Je vous ai parlé il y a quelques vlogs de ça, de cette fameuse laine, hein, donc de cet écheveau de lace, donc sur lequel j'ai deux écheveaux, donc deux écheveaux de 100 grammes qui font 800 mètres chacun, donc que j'ai l'intention de soit tricoter ensemble, soit tricoter avec une laine associée. Et j'ai fini par trouver le modèle que je vais vous tricoter. Et alors attendez, attention, attention. Alors déjà la première chose, c'est je vous remercie beaucoup parce que beaucoup d'entre vous m'ont donné des conseils, des retours, et vous avez été très nombreuses à me dire que c'était dommage d'éteindre la couleur avec ce brushed alpaca parce que ça éteignait trop la beauté de cet écheveau. Et c'est vrai que je le trouve absolument fabuleux, cet écheveau. Donc la première décision que j'ai prise, c'est effectivement cet écheveau, je vais le tricoter en double pour qu'on voit bien la couleur, le travail de teinture. Donc, je vous rappelle que c'est un Manos de l'Uruguay. Mais ça, je vous le dirai quand je vous donnerai plus de détails sur le modèle. Je vais quand même utiliser ce brushed alpaca. Et alors, effectivement, c'est une couleur qui ne me va pas du tout au teint. Je ne sais plus qui c'est qui me l'a dit dans les commentaires. Et j'ai oublié de préciser, ce n'est pas un ouvrage que je vais créer pour moi, c'est un ouvrage qui est pour ma fille. Donc, et qui, voilà, elle est tout à fait dans ce genre de coloris poudré, très. Alors, ma fille, elle met toutes les couleurs. Hein. Elle met du jaune moutarde, elle met du rose poudré, elle va mettre du vert, du orange, du. Enfin, elle aime toutes les couleurs. Elle aime surtout les couleurs. Et ben, je me suis dit, et alors là, ça m'a vraiment sauté dans le cerveau comme. Je sais pas d'où c'est venu, hein. Eh bien, je vais faire un jacquard. Je vais tenter un jacquard avec un brushed alpaca et celui-ci tenu en double. Et j'ai trouvé déjà le modèle, mais je ne vous le dis pas aujourd'hui, parce que je veux d'abord tester, voir ce que va rendre ces deux laines ensemble dans un jacquard. Je pense que ce ne sera pas un souci, parce qu'au vu de l'échantillon que j'avais réalisé ici, je vous le remontre, hein, on voyait très bien la différence entre une maille et l'autre. Les mailles étaient relativement régulières sur la partie de brushed alpaca. Donc je pense que ça sortira bien. Le contraste est assez fort, donc pour le créer en jacquard, je pense que ce sera pas mal du tout. Reste à savoir maintenant si je vais réussir à cacher les fils à l'arrière de ce brushed alpaca. Donc ça, je vais tester. Alors. Je vais refaire un échantillon. Donc, c'est pour ça que je ne vous donne pas encore le modèle que je vais faire. C'est que je ne suis pas sûre que ça fonctionne. Il faut que je fasse des tests. Donc, très curieuse. Il faut vraiment que je sélectionne avec vraiment un grand soin le jacquard pour éviter que ce soit moche. Donc voilà. Je vous tiens au courant là-dessus. J'avais trouvé aussi, au cas où ça ne fonctionne pas, une autre laine contrastante. Et alors, à la caméra, ça sort pas vraiment bien, mais ce sont deux fils qui pourraient aussi être associés dans des rayures. Alors à l'écran, ça se sent, ah, si, là vous voyez les vraies couleurs. Donc on serait beaucoup plus foncé. Donc parce que vous avez été nombreuses aussi à me dire que c'était trop clair selon vous. Donc je vais réaliser encore quelques tests, mais au pire des cas, ça fera des rayures avec ceci, ou alors sinon ça finira dans un châle. Mais voilà, je veux vraiment tester et voir si ces brushed alpaca, je peux en faire quelque chose, parce que je trouve que le contraste entre les deux est vraiment sympathique. Je vous tiens au courant. Donc encore quelques expérimentations à venir. Donc autre chose que je voulais vous montrer, c'était mon avancée sur ce fameux historical spoiler alert, mais bon, vous le savez puisque vous avez vu les précédents. Hein. J'avance, j'avance, et je suis encore loin d'avoir fini. Aujourd'hui, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 répétitions, il m'en faut 14, ce qui veut dire qu'il m'en reste encore 5. Donc j'y vois vraiment pas beau. Je sens que je vais être en retard. Reste à savoir, ce soir, je suis toute seule. Donc il est grandement possible que je passe toute ma soirée à tricoter devant la télé, devant des podcasts, ce qui m'arrange bien. Mon mari est en déplacement, les enfants sont chez leurs copains, donc voilà, je vais peut-être faire des gros progrès. Alors ce que je voulais vous montrer aussi, c'est que cette donc les rangs sont de plus en plus longs, hein. L'endroit sur lequel on fait des augmentations, c'est la partie centrale, donc pas la partie
où il y a les espèces de petits aiguilles qui dépassent, là, où on a fait les trous. Mais la partie en chevron, ici, c'est celle-ci qui augmente. Donc, elle augmente de 10 mailles à chaque fois qu'on fait une répétition. Donc, une répétition, c'est 4 rangs de couleur claire, 4 rangs de couleur foncée. Et ce que je sais, c'est qu'on finit à plus de 270 mailles, 270 mailles à la fin de cet indice. Donc c'est aussi pour ça que c'est un peu long. Alors j'ai quand même remarqué qu'il me faut un peu moins d'un quart d'heure maintenant par rang parce qu'il y a des rangs qui sont un peu plus rapides que d'autres. C'est sûr qu'il me faut 15 minutes pour un rang sur lequel il va falloir, comme ici, le premier, monter des mailles. Ici, il faut rabattre les mailles. Donc rabattre les mailles, c'est assez rapide. Mais monter les mailles, pour moi, c'est un tout petit peu plus long. Parce que c'est un montage, vous savez, où vous mettez l'aiguille entre les deux dernières mailles et vous venez la raccrocher sur votre aiguille gauche. Donc c'est un petit peu plus long que moi, parce que ça nécessite de tourner votre travail puis de le remettre dans l'autre sens. Donc twist and turns, je crois que c'est un modèle qui porte bien son nom. Donc voilà, ben je vais retourner tricoter tout à l'heure, donc dans les 5-10 minutes qui me restent là, je vais encore tricoter. Mon twist and turns, donc de Mestérical de Steven West. Et je pense que je vous retrouve demain, puisque je pense que j'aurais plus de temps pour venir vous voir aujourd'hui, avant que ce vlog devienne live. Donc vous aurez la suite dans le vlog de demain. Donc je vous souhaite une très bonne journée et prenez bien soin de vous. Et je vous dis bisous, bye bye et à demain. Birds and see the sun. Side by side, our fears are done. Oh, the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things.